Céline Dion est une légende de la chanson. De sa victoire à l'Eurovision en 1988 aux nombreuses récompenses qu'elle a obtenues pour sa musique. La star de 53 ans s'est forgée une carrière unique. Mais comme pour toutes les grandes personnalités, Céline Dion inspire de nombreux anonymes désireux de lui ressembler. Néa en fait partie. Combini a voulu en savoir plus sur l'artiste, sosie officielle de la chanteuse, « Ça fait 20 ans que je fais Céline. Elle fait partie de ma vie. Dans ma catégorie sosie, je suis obligée d'avoir vraiment le physique. Le vocal et tout ce qui va avec », explique-t-elle dans le mini-reportage qui lui est consacré. C'est en représentant la France à l'Eurovision en 1999 qu'elle pense sérieusement à devenir la réplique de Céline Dion, « J'avais des articles que j'ai gardés », qui disait Néa, sur les traces de Céline Dion ou Néa. Notre Céline Dion française. Il y avait un producteur aux États-Unis, qui cherchait une francophone pour jouer le rôle de Céline. J'ai fait mon audition et le soir même, il m'a proposé un contrat de 5 ans à Las Vegas. Jouer Céline Dion représente beaucoup de travail, dans la gestuelle, la manière de s'exprimer et les mimiques, mais s'estime chanceuse d'avoir le profil et le faciès de la star ainsi que le sourire et les lèvres un peu en forme de cœur. Mais ce fameux avantage, les internautes ne l'ont pas vraiment relevé. Pour la grande majorité d'entre eux, Néa n'a rien à voir avec Céline Dion, autant vocalement que dans l'allure ou le physique, mais un sosie normalement. Il doit ressembler à la star, non, sosie d'Hélène Ségara plutôt, elle est autant sosie de Céline Dion que je le suis de Jacques Gyllenhaal. Elle est dans le déni, c'est pas possible, c'est moi ou elle est l'opposé de Céline, il n'y a rien qui va. Elle était sosie que en 1999 parce que là, peut-on lire dans les commentaires. Les fans ne risquent pas d'aller là où ira Néa apparemment.